Et yo tout le monde les amis, c'est Aaron de la chaîne TechActu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup sur les nouveautés d'iOS 15.4 du coup qui est déjà disponible pour les développeurs et bientôt pour la version grand public. On se retrouve pour ça tout de suite après l'intro. La nouvelle version du coup d'iOS 15 regroupe en effet de nombreuses nouveautés très intéressantes. On retrouve tout d'abord la possibilité de déverrouiller Face ID avec un masque et sans Apple Watch. Ce sera vraiment sécurisé, mais l'option est activable dans les réglages, comme au contraire la fonction pour ajouter des lunettes pour plus de sécurité. Mais cette fonction est disponible à partir du coup de l'iPhone 12 et des iPad Pro 2020. iOS 15.4 ajoute aussi de nouveaux emojis du coup qui s'affichent à l'écran. La liste complète est en description. Pour les possesseurs d'iPhone 120 Hz, du coup, le bug Core Animation a été corrigé. Les développeurs du coup vont donc pouvoir développer le 120 Hz sur leur appli. Le pass vaccinal du Covid-19 pourrait bientôt être ajouté sur Wallet, du coup, sans passer par deux sites tiers en Belgique et en France. Pour iOS, iPadOS 15.4 et même macOS 12.3, les gâchettes adaptatives de DualSense sont désormais compatibles. Sur Safari, on peut désormais recevoir des notifications des apps web, du coup, lors de l'utilisation d'automatisation. Il sera possible de supprimer les notifications, ce qui apportera, du coup, comme nous le pensons, un énorme boost sur l'utilisation des automatisations. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous informer si vous souhaitez que nous, du coup, en présentons. On retrouve aussi dans certains états aux USA la possibilité d'ajouter son permis de conduire à l'application Wallet. De plus, du coup, pas sur iOS 15.4, mais du coup, la fonctionnalité Tap to Pay qui devait être dès le printemps annoncé par Apple, du coup, cette fonctionnalité permettra aux iPhone XS, du coup, de pouvoir du coup recevoir des paiements sur Apple Pay par carte bleue en sans contact ou par portefeuille numérique Apple Pay, Google Pay, etc. Un peu pareil du coup que lorsque l'on approche son iPhone de son HomePod mini pour transférer l'audio, mais là c'est la réception de paiements bancaires. L'iPhone devient donc un TPE, il sera compatible avec d'autres applications que Wallet, mais du coup, mauvaise nouvelle, Apple ne parle pas encore de lancement international. Pour l'instant, cette fonctionnalité semble être destinée uniquement aux USA. À suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.